Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la naissance de l'astronomie moderne. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'était quitté, on était euh, à la période de l'Antiquité, plus précisément de l'Antiquité euh, grecque et romaine. Donc là, on va vraiment faire un bond dans le temps puisqu'on va tout de suite passer à la Renaissance, c'est-à-dire en gros au XVe siècle, et on pourrait se demander pourquoi du coup on n'étudie pas le Moyen Âge en astronomie. Eh bien la raison pour laquelle on n'étudie pas le Moyen Âge en astronomie, c'est tout simplement qu'en Europe, il y a assez peu d'avancées, il y a assez peu de découvertes qui ont été réalisées durant cette période, et c'est vraiment la redécouverte des auteurs antiques, grecs et romains, qui va permettre de, de renouveler l'intérêt pour l'astronomie et de faire de nouvelles découvertes. Donc concrètement, comment est-ce qu'on a redécouvert justement les auteurs grecs Eh bien, c'est par un moyen détourné, puisque l'apparition de l'islam au 7e siècle, donc l'islam au 7e siècle, a instauré une sorte d'élan intellectuel, et donc à partir de la naissance de l'islam et, et plus tard, durant vraiment le, le Moyen Âge, eh bien, les auteurs arabes ont traduit énormément d'œuvres grecques, et notamment les œuvres d'Aristote, mais pas que, également les œuvres de Ptolémée, donc Aristote et Ptolémée, de grands auteurs donc en, en astronomie, en philosophie, etc., en mathématiques, et ça, ces œuvres, on les redécouvrira justement par leur traduction arabe. Donc finalement, donc finalement beaucoup d'interprétations d'Aristote se font par le biais de la traduction en arabe. Et c'est pour cette raison que beaucoup de termes en astronomie, donc notamment les noms d'étoiles, mais pas que, par exemple le zénith, c'est un terme, un terme issu de l'arabe, et eh bien beaucoup de termes en astronomie sont précisément issus de l'arabe. Et donc, lors de la Renaissance, donc la Renaissance c'est un petit peu plus tard, c'est vraiment à partir du XVe siècle, on redécouvre, l'Europe redécouvre les auteurs grecs et romains. Et par la même occasion, renouvelle son intérêt vraiment pour l'astronomie, et c'est ce qui va permettre de faire de nouvelles découvertes en astronomie. Alors, il y a plusieurs auteurs qui vraiment vont marquer cette période, mais s'il y a un auteur qui doit incarner cette période, cette renaissance en astronomie, ça peut être Copernic. Donc Copernic, on le voit sur la gauche, ici. Ses dates de vie et de mort, c'est 1473-1543. Et Copernic, c'est un médecin, un mathématicien et un astronome polonais. Et on peut également noter que Copernic est un homme d'église. On va voir que ça va avoir un, un intérêt par la suite, une importance par la suite, puisqu'il y aura une controverse assez importante entre euh, les scientifiques, les astronomes et l'église. Alors pourquoi est-ce que Copernic, il est important? Eh bien, Copernic, il est important parce que c'est vraiment lui qui popularise, qui, euh, qui met au premier plan l'un des événements les plus marquants de la Renaissance, à savoir le déplacement de la Terre comme le centre de l'univers. Alors ce déplacement, évidemment, c'est un déplacement conceptuel. C'est-à-dire que la Terre ne s'est pas déplacée du centre de l'univers jusqu'à tourner autour du Soleil à partir de Copernic, c'est simplement notre vision de, du monde qui a changé. Donc ça, c'est une distinction conceptuelle. C'est notre vision, notre conception scientifique qui a évolué. C'est une distinction donc conceptuelle. Puisque, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, le modèle qui a dominé de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge, c'était le modèle géocentrique. Donc géocentrique, géo c'est la Terre et centrique, évidemment ça ça désigne le centre, ça voulait dire que c'était la, la Terre qui était au centre de l'univers, tout tournait autour de la Terre. Et bien Copernic, d'autres avant lui l'avaient également proposé, mais c'est vraiment à partir de Copernic que la, la vision du monde commence à changer, commence à être acceptée, Copernic il propose de changer ce modèle géocentrique en modèle héliocentrique. Donc hélios c'est le Soleil, et donc ça veut dire que le Soleil est au centre de l'univers et que toutes les planètes, tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est une révolution qui est vraiment incroyable, qui est vraiment très très importante. Et on va descendre un petit peu pour voir le modèle proposé par Copernic. Donc ici, on voit qu'on a le Soleil au centre, et effectivement, on a toutes les planètes qui tournent, avec notamment la Terre qui tourne effectivement autour du Soleil. Donc ça, cette nouvelle théorie, il la développe dans un livre qui s'appelle De la révolution des sphères célestes. Donc de la révolution des... Sphère céleste et c'est un livre qui est publié en 1543, c'est-à-dire l'année de la mort de Copernic. Alors pourquoi révolution et Bien tout simplement parce qu'une révolution c'est un tour à 360 degrés, c'est-à-dire c'est l'orbite que fait une, une planète autour du Soleil. Mais on pourrait on pourrait développer un peu plus et dire que c'est également une révolution finalement scientifique, conceptuelle. Puisque on a déplacé, Copernic a déplacé la Terre du centre de l'univers, c'est-à-dire d'une position vraiment privilégiée, vraiment unique, à n'être qu'une planète parmi d'autres qui tourne autour du Soleil. Et ça, on le verra par la suite, justement, ce déplacement d'une position privilégiée à une position finalement presque banale, eh bien, ça va faire beaucoup de friction avec l'Église, puisque selon le livre de la Genèse, on est censé avoir une position privilégiée, l'homme est censé avoir une position privilégiée, et le reléguer à une place parmi d'autres, c'est finalement euh, supprimer un petit peu de sa grandeur, diminuer de sa grandeur. Et ça, on le verra par la suite. Alors, cependant, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Copernic, à ce moment-là, décide de changer de système Pourquoi est-ce que le système proposé par Ptolémée, il cesse d'être pertinent Pourquoi est-ce qu'à cette période, on commence à s'interroger Bien, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, et si vous ne les avez pas vues, je vous conseille de, de les regarder pour un peu mieux comprendre justement la raison de ce changement, la raison de cette révolution. Donc le système proposé par Ptolémée, il commençait à être extrêmement complexe pour prédire le mouvement des planètes. Il fallait faire appel à énormément d'ajouts, énormément de, de théories ad hoc pour conserver vraiment quelque chose de valable. Donc le système proposé par Ptolémée, il devient trop complexe. Il y a trop d'ajouts pour expliquer simplement le mouvement des planètes. Et Copernic, il montre que si on change de point de vue, si on considère que le Soleil est au centre et non pas la Terre, l'explication pour prédire le mouvement des planètes devient bien plus simple. Donc en réalité, c'est pas tellement une raison concrète, disant, visant à dire que c'est beaucoup plus réel de dire que le Soleil est au centre, en réalité, c'est davantage parce que c'est plus simple de montrer que le Soleil est au centre, ça permet de simplifier les calculs, ça permet d'avoir une explication beaucoup plus élégante. Mais concrètement, les deux théories marchent. On peut expliquer le mouvement des planètes par la théorie géocentrique, c'est simplement beaucoup plus complexe, on doit utiliser beaucoup plus d'outils mathématiques, mais simplement c'est possible. Donc les deux théories sont possibles, la seule différence, c'est que la théorie de Copernic, elle permet d'expliquer les mouvements, elle, elle permet de prédire les mouvements de manière bien plus simple. Donc ça, c'est la proposition de Copernic. Donc on le verra l'église vraiment sera très très réticente à accepter cette théorie. Mais il n'y a pas que l'église et si on développera dans une prochaine vidéo les oppositions de l'église, ici on va juste voir une opposition proposée par les scientifiques de l'époque. Donc une objection objection qui consistait à dire que si la Terre tourne autour du Soleil, elle doit tourner à une vitesse très très importante. Et donc comment ça se fait que on ne ressent pas le mouvement de notre planète qui tourne autour du Soleil. Si elle tourne à une vitesse aussi rapide, finalement on devrait être emporté, comme par exemple lorsque l'on sort notre tête euh, dans une voiture ou quelque chose comme ça. Le mouvement devrait être très très important, et donc on devrait le ressentir. A priori on, ressent, on ne ressent pas de mouvement, donc euh, la théorie est fausse. Alors on va descendre un petit peu et on va répondre à cette objection. Donc comment est-ce que ça se fait qu'on ne ressent pas le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil eh bien, c'est qu'en réalité, ce que l'on ressent, ce n'est pas la vitesse, mais c'est l'accélération, c'est-à-dire le changement de vitesse. Et ça, ce phénomène, on peut le voir très très facilement, puisqu'il y a des tas de situations dans notre vie courante où on est en mouvement, et pourtant on ne ressent pas ce mouvement. Par exemple, lorsque l'on est dans une voiture, un bus ou un train, lorsque le train est en mouvement, au bout d'un certain moment, lorsque le train a une vitesse qui est stable, eh bien, on ne ressent plus ce mouvement. Donc, on ne ressent pas... La vitesse, ce n'est pas la vitesse que l'on ressent, mais c'est l'accélération, c'est le changement de vitesse. Le changement de vitesse. Et ça, du coup, ce n'est pas une objection quant à la théorie de Copernic, puisque Copernic, il dit que les planètes, elles orbitent autour du Soleil par un mouvement circulaire, éternel et uniforme, c'est-à-dire que leur vitesse, la vitesse des planètes, ne change pas. Donc il n'y a aucune raison que l'on sente un mouvement puisqu'il n'y a pas de changement de vitesse. On est un petit peu comme une sorte dans une sorte d'avion, de bateau ou de voiture avec une vitesse constante et donc notre voyage se fait tranquillement, on ne ressent pas la vitesse et donc aucune raison de s'inquiéter, aucune raison finalement de proposer une objection euh, quant à ce point-là. Donc ça, c'était la première objection, enfin une objection parmi d'autres, évidemment il y en avait beaucoup d'autres, les scientifiques avaient proposé beaucoup d'autres objections, donc ça, c'en est une pour laquelle il est assez facile de répondre, on verra par la suite justement l'objection qui est peut-être la plus intéressante, c'est-à-dire l'objection proposée par l'Église. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.